Votre heure est venue. Vous pensiez qu'aucune force ne pourrait vous défier. Et maintenant... enfin, nous sommes de retour. Voici mon nouveau vaisseau. Pas mal du tout. Donc on va y faire un petit tour de propriétaire et voir de quoi il a l'air exactement. Alors, donc la sortie est pas. Je suis vraiment honoré de servir quelqu'un comme vous, maîtresse. Votre nom entrera dans l'histoire. Pas le mien, mais le vôtre sans aucun doute. On est là pour ça. Merci des compliments. Mais ce cirage de pompe est assez suspicieux. Alors, donc voici la sortie. C'est bon, si jamais il y a un souci, on saura où exactement partir. Ça, c'est le serviteur du vaisseau. Il est là pour gérer l'entretien du vaisseau. Tout ce qui est pilotage, tout ce qui est mission, tout ce qui est vaisselle, etc., etc. Et réparation des machines. Ça, c'est sûrement la salle de contrôle des machines. Ou salle des machines, en fait. Ça, c'est... ok. Fureur. Ah, mon vaisseau s'appelle Fureur, d'accord. Ça, c'est l'entrepôt. D'accord. Ok. Qu'avons-nous d'autre? Ça, c'est la salle des missions. Non? Oui, ça va mettre la salle des missions. D'accord, donc c'est là où je prends mes missions afin de continuer. Là, nous avons... oh, la salle du maître. Du capitaine, on va dire. Salle du capitaine. Ça, c'est la salle d'équipage. Ou non, c'est médecin, ça. Ouais, ça, c'est la salle du médecin. Ouais, exactement. D'accord. Ah, salut Kem. C'est bien entendu la salle de l'équipage. Pour connaître le nombre de lits qu'il y a. Forcément. 2, 4, 6. Hein, mais pour l'instant, vous n'êtes que 2. Hein. Ah, ouais, c'est vrai que plus tard, il semblerait que je rencontrerai d'autres compagnons, d'autres partenaires. Ça, c'est la salle de réunion. Pour les sujets importants. Et ensuite. Ah, merci. Ça, c'est capsule de sauvetage. Oh! Oh oh, intéressant, on va pas l'utiliser maintenant vu qu'on n'a pas besoin. Alors donc c'est tout. Il semblerait que oui. D'accord. Ok. Ah non, ça on l'a vu, ouais, ça c'est des machines. Entrepôt. Salle de mission, on va appeler ça comme ça. La cabine du capitaine. Médecin, enfin cabine de soins, on va dire, cabine d'équipage, cabine de réunion, et c'est tout. Ok, bon, alors donc on va passer aux missions. Donc qu'est-ce qu'on avait déjà à faire? Il y a l'appel. Ok, vous êtes sur la piste des artefacts perdus de Tulak Horde qui sont censés être la clé d'un rituel secret, source d'un grand pouvoir. Dark Zash a retrouvé la trace d'un de ces artefacts sur Narshada. Rendez-vous sur Narshada et contactez Dark Zash depuis le terminal de votre vaisseau pour en savoir plus. Ensuite, nous avons l'autre. Plan. Vous êtes sur la piste des artefacts perdus de Tulak Horde aussi. Censé être la clé d'un rituel secret, blablabli, bababa. Dark Zash a repéré l'un de ces artefacts sur Balmora. Utilisez la carte de la galaxie de votre vaisseau pour vous rendre sur Balmora. Apparemment, les deux se trouvent pas sur la même planète, hein. D'accord. Niveau 15. Niveau 20. Bon, on va finir avec niveau 15. Et ensuite, on s'occupera de niveau 20. D'accord. Niveau 15, alors. Donc, il faut aller sur la planète Balmora. Ok.
Bon, on y va, Balmora. Ça devrait être ça. Non, il n'y a rien pour l'instant. Bon, on va sûrement le faire une fois arrivé sur place. Donc, on va aller à la salle des réunions. Non, cabine de pilotage. C'est vrai, il y a une cabine de pilotage. J'ai oublié. Et où la cabine de pilotage? Ah, ici. Voilà. Voici. Oh, voilà. C'est le plan de la galaxie. Balmora. Voilà, on va aller là-bas. Nous sommes ici, c'est cela? Ouais. Sinon, on peut aller faire l'appel là-bas. Donc, on va d'abord à Balmora. Mais avant ça, apparemment, il y a un message qui nous attend. Commandant aérien Pyrrhule, Excellence. Si vous avez un vaisseau, je souhaiterais avoir recours à vos services. La République est de plus en plus téméraire. Ces escadrons d'attaque piègent les vaisseaux impériaux avant de disparaître dans l'espace. On a du mal à rivaliser. Pourquoi la République risquerait de déclencher la guerre avec ce genre de provocation ? On est à deux doigts d'une guerre ouverte. Ils cherchent sans doute à repérer nos points faibles pour se préparer au combat. J'ai ordonné le décollage immédiat de la 23e de Cass et des ailes de l'effroi, mais il en faudra plus. On met sur pied un escadron de riposte inédit, le courroux de l'Empire. Avec un Sith de votre envergure à la tête de l'escadron, on écrasera la République en un temps record. Ce sera un honneur de mener le courroux de l'Empire. Fantastique, Excellence. Votre nom de code sera Rage. Je transfère les données de mission sur votre vaisseau. Vous travaillez en solo. Le reste de l'escadron vous assiste des quatre coins de la galaxie. Frappez de toute votre rage. Frappez pour l'Empire. D'accord. Intéressant. Donc, combat spatial. Excor de Jabim. Mon nom de code s'appelle Rage. Et mon vaisseau, c'est Führer. Ça va ensemble. Et nous sommes des Sith. Enfin, quelque sorte. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, il y en a plusieurs. Oh, d'accord. Bien. Bon. On voit de quoi ça a l'air, même si c'est pas notre mission principale. On va faire laquelle? C'est celui-là. Escorte de Jamir. Et comment ça se passe? Terminer la mission Escorte de Jamir. Ok. Bon, j'imagine qu'il faut reprendre. Oh, chaise. D'accord. Pas trop l'intérêt. Alors, comment on fait ça? Bon, essayons de prendre une autre, on va voir. Station d'écoute. Briefing du commandant de la flotte impériale. Le cartel a autorisé la République à établir une station spatiale secrète dans l'espace Hutt pour intercepter les communications des opérations impériales du secteur. Tous les vaisseaux disponibles ont été immobilisés, mobilisés pour détruire la station, mais des forces supplémentaires seront nécessaires pour... On va accepter. Bon, toujours est-il. Comment on fait ça? Bon, on va essayer de regarder là, d'accord? Peut-être que là, ça a marché. Bordure, le plan, l'appel. Bon. On est mal barré là. Comment ça se passe cette histoire? Si peut-être? Non. Utilisez la carte de la galaxie de votre vaisseau pour localiser la mission de combat spatial Escorte. Ah, ben voilà. J'ai pas vu moi. Ok, dans la carte. Ok, elle est où? Non. Juste l'appel. Atis. J'ai rien. Ah, mission spatiale disponible. Mission spatiale disponible. Ah, en fait, c'est pas ça. Damn. Ok. Il y a quelque chose que je comprends pas. Bon, écoutez, on y va pour le plan. Ah, ok, c'est comme ça. Ouh, 28 maintenant. Séraphin. Celui-là. On va retourner parce que je me souviens pas du nom. Ok, qu'est-ce qu'on a? Nous avons station des coups de cartel et puis escorte de Jablin. Ok. Allez, vas-y.
Ok. Donc on va regarder. Non. Non. C'est pas lui. On revient. D'être ici. Mission spatiale disponible. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Tourne casque, Corriban. Flotte impériale, non. Exploration des non. Non, merde. C'est ici? Mouvement de la flotte, non. Escorte de Jabin, ouais, c'est celui-là. Ok, combat spatial, escorte de Jabin, niveau d'amélioration du jeu, tout niveau des espions de service. Les services secrets de l'Empire, ok, détenant des informations cruciales sur les plans de la République, tentent de quitter leur territoire, enfin le territoire ennemi dont ils n'avaient volé. Les forces de la République les ont poursuivis et pris dans un rayon tracteur. Des renforts sont demandés pour défendre la navette et veiller à ce que les renseignements volés arrivent intacts. Bon, on y va. Vous devez escorter cette navette jusqu'au bout de la mission. Si la navette est détruite, la mission se donnera par un échec. Veillez à ce que la navette arrive à la destination indiquée. Détruisez les chasseurs pour ce. Oh, ok. Et comment tirer ça? D'accord. Bon, the question is. Navette en vue. C'est lui? Non. Non. Ok, c'est lui qui est en train de fuir. Ok, je t'escorte. Oh! Nice! Joli! Oh! What? Ah, vise les canons! Ah, la mer! Go! Vise les canons, vise les canons, vise les canons, vise les canons. Yeah. Non! Leur canon! Mais si c'est balade n'importe comment là, c'est quoi ton histoire? Wow! 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 Puissance de feu. Ok, donc ça va le but. Allez, allez, vas-y. Oh. Aïe. Merde! Je les tire. Merci. C'est très loin, regarde, c'est à côté là. Fait, va tout droit et fais des zigzags, c'est tout. Pas besoin de faire les loopings, etc. Là. C'est bon. Ça doit être correct maintenant. Merci, merci, merci. Mais bon, on fera. Ouh là, t'as pas grand chose, toi. On est presque arrivé, tiens le coup. Almost there. Almost. Oh, c'est bon. Nice. Boost mineur d'espérance en mission spatiale gratuite. Merci, merci.
Ouh. Merci beaucoup. Bon, d'un passant aux choses sérieuses. Alors, donc on a dit qu'on allait accomplir le plan. Alors, le plan c'est là. Quand on était là, il fallait dans la planète Balmora, c'était ça, ouais. Est-ce bien toi, mon apprenti ? Oui, madame. Tu es arrivé saine et sauf sur Balmora, ce que je vois. Bien, j'espère que tu es prête à te lancer. Je crois avoir découvert l'endroit où cet artefact est caché sur Balmora, mais ça ne va pas être une partie de plaisir. En quoi ça consiste exactement ? Eh bien, disons que les choses ont changé depuis que Tulak Horde a dissimulé son artefact. Tulak Horde a dissimulé son artefact dans un bunker sur Balmora. Ce bunker a par la suite été converti en entrepôt de stockage de déchets toxiques par les Balmoréens. Hélas, il a été endommagé durant la dernière guerre. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un cratère rempli de déchets toxiques, et notre artefact se trouve au fond. Vous devez bien avoir un plan pour le récupérer. Je n'ai malheureusement pas eu le temps d'élaborer un plan. Tu vas devoir trouver une solution par toi-même. Essaie de rencontrer l'officier des ressources impériales sur Balmora. Il s'agit du Major Bessiker. Bessiker connaît cette planète. Il pourra sans doute te donner quelques conseils. Il exécutera mes ordres sans discuter. Attention de ne pas te mettre à dos un allié potentiel. L'Empire est très occupé à contrer un violent soulèvement sur Balmora. Officiellement, il s'agit d'une milice de la base. Officieusement, il bénéficie du soutien total de la République. J'ai informé le Major Bessiker de l'implication de la République. Il sera donc mieux équipé pour t'épauler. Il y a fort à parier que ces vermines de la République vont tenter de te mettre des bâtons dans les roues. Je détruirai les ennemis de l'Empire. Je n'en attends pas moins de toi. Mais l'artefact est plus important que la guerre. Récupère-le avec la plus grande discrétion possible. Je ne tiens pas à attirer la convoitise de l'Ordre Sith. On va essayer de ne pas faire trop de bruit, mais je ne vous promets rien, maître. Alors, donc... Il faut sortir de là maintenant. Ah ouais, c'est par là-bas.